Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité en administration qui permet à chaque utilisateur de gérer les nouvelles fonctionnalités du logiciel. Donc pour cela, vous devez vous rendre dans l'administration de Bokeh en interface d'administrateur. Vous avez ici dans le menu en haut une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle fonctionnalité au pluriel, avec un petit compteur qui vous indique le nombre de nouvelles fonctionnalités disponibles dans cette version. Quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur cet écran qui va vous lister donc toutes les nouveautés disponibles sur la version dont vous disposez. Sur chaque ligne, vous allez avoir le libellé, la description, ainsi que la date d'ajout de la fonctionnalité, ainsi qu'une catégorisation. Vous avez également trois actions disponibles pour l'instant, qui sont la documentation. Donc, si je clique dessus, je vais directement sur la documentation dans le wiki de la fonctionnalité. Vous avez également un petit bouton essayer qui vous permet d'essayer la fonctionnalité. Donc là, ici, c'est le nouvel explorateur de fichiers. Et enfin, vous avez une action pour archiver la nouveauté. Voilà, qui vous dit que la fonctionnalité explorateur de fichiers n'est plus une nouveauté pour vous, et elle se retrouve dans le tableau archivé que vous pouvez consulter à tout moment. À noter également que vous pouvez rechercher comme ça les fonctionnalités explorateur. Hop, voilà, ici je la retrouve. Vous pouvez également décocher, marquer comme nouveauté si vous voulez la remettre pour plus tard, la revisiter, la redécouvrir. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.